sais déjà que tu vas pas me demander un parent, te demander plus tard. Puis c'est quand même de toujours un peu mener la barque, voilà, d'être proactif entre guillemets sur l'expérience, de trouver des trucs à partager avec elle. Oh non, Amérique, t'avais prévu, t'avais imaginé des trucs comme ça. Non, mais ça c'était sûr et certain que au moment où il allait dire embrasser la mariée, j'allais faire la bise et tout, quoi. C'était évident pour moi. Mais c'est super dur pour un petit polisson. Là, j'étais en train de m'enfoncer petit à petit, j'essaie quand même de garder la tête. Enfin, tu sais, garder bah, voilà, le côté positif du truc. Et franchement, c'était dur, quoi. J'ai conscience de cette expérience, des moments d'engagement envers Benoît. Je pense qu'il faut que je travaille sur moi-même et que j'avance un peu vers lui. Jusqu'ici, Benoît s'est montré très fort. Et là, tout d'un coup, il laisse percevoir une petite fragilité. Immédiatement, Nathalie est touchée par la faiblesse que Benoît lui montre et du coup, elle se remet en question. C'est une sorte de déclic qui lui permet de s'ouvrir un petit peu à lui. Je donne parce que moi, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Enfin, j'ai besoin d'un retour. Et je peux pas exiger de toi un retour si moi, je ne montre pas l'exemple. Mais si c'est tout le temps dans un sens. Ça va pas, c'est sûr. Benoît m'inspire la confiance. Et la confiance, c'est ce qui manquait jusqu'ici dans la relation. J'aimerais donner à Benoît toute l'affection qu'il mérite, la tendresse. Et j'aimerais lui donner tout ce qu'il a besoin en retour. Mais tout ce qu'il me donne. Comment s'organise? Ouais, mais il est grand, donc ça va pas aller. Je me mets bien dans un coin, ça. Bien, je te conseille. Dans un coin, si tu prends un tout petit coin. Attends, tu peux... Zerne, ça arrive king size. King size, ouais, king size. Donc, j'accepte de dormir dans le même lit pour lui montrer que je fais un pas en avant et que je lui ouvre une porte. Je me sens quand même un peu plus ouverte que je l'étais déjà ce matin. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais m'ouvrir. Cette ouverture d'Nathalie est un bon signal. Elle montre par là que les choses avancent, que les choses progressent, et Benoît a vraiment besoin de ressentir cela. Et je crois que Nathalie, là, dépasse son impression de départ pour découvrir qu'elle ressent un petit quelque chose pour Benoît. Et ces petits liens peuvent peut-être se développer. On verra par la suite.